Alors, ma frère Nabiso Oyo, je vais lancer une pétition contre Fally. Parce que Fally, à la main noire, dans Schengen, on a Madame Catherine, frère. Mais biso Saint-Denis Moubimba wana motomoto biso na poche na ye azombo nga fira kota na poche to lia elo kote to kanga pe munno ko to fana nie i conseil de Simba pona nko to pouvoir fali na nko conseil de Simba na bina ba ya soutenir faire ne pour pouvoir fali. Ouais, en tout cas, ce qui pétition mes alli pour Arosal Sabatou, je vais demander à tous les warriors de signer parce que c'est vrai fali a aidé Batou. 48 heures, c'est là où nous allons tout donner. C'est là où nous allons vraiment sortir le peu d'énergie qui nous reste. Ce jour-là, c'était en 2010, quand il a joué Zénith. Il n'était pas tête d'affiche, tout simplement. Il n'était pas tête d'affiche comme il a été à Adidas Arena. Vous devriez normalement vous limiter à l'Espagne. Mais non, vous brillez par étapes. C'est dommage. Moukolo, à Sarah Mamloua, à moi, à Moukete. Moukolo ne se laisse pas emporter dans ma sentimento. Na ba émotion. Moukolo n'est pas quelqu'un qui doit être ballotté par n'importe quel vent. Il y a Kolobapé et Ezali. Ezali. Basali n'a pas ma BP Ezali. Donc ça veut dire que j'avais le plein droit à relancer pétition contre l'artiste. Avec des arguments solides. Avec un soubassement visible au monde. Franco TH6 et WMA Productions présentent Anslou Zolo, Monsieur Grignotage, originaire du pays de soif. Demandez-moi pourquoi je suis dans les pleurs. Laissez-vous embarquer dans l'univers de Monsieur Grignotage. Ça m'arrive aussi de dire les choses que je ne connais pas. C'est dangereux, papa. Le samedi 13 juillet 2024 à 20h, au théâtre du gymnase Maribel. Retenez bien Anslou Zolo, Monsieur Grignotage, le samedi 13 juillet 2024 à 20h, au théâtre du gymnase. BP Conseil HEC. La maîtrise de risque est à la source. BP Conseil HEC, la maîtrise de risque à la source. Vous propose des services tels que Management Key HEC, certification ISO, audit et formation veille réglementaire, prévention des risques et santé sécurité au travail, analyse environnementale, coordination SPS, bilan carbone et ENR, diagnostic énergétique, RSC, développement durable et reporting extra-financier. BP Conseil HEC, la maîtrise de risque est à la source. Pour tout contact, Mbote nabino balandi à télé de l'excellence au Bozasiko branché scotché na ba télévision nabino na ba smartphone nabino bo vandi partout bozali na pesi bino mbote bana kisangani merci nabino tango naza kotanga ba commentaire na mondi bana kisangani niko wenu na liwaka kule na pesi bino mbote bana kisangani bana Angola to pesi bino mbote bozota la biso partout bozali émission nabino bandi na TV nabino bandi merci na ba abonné tout au bozo continuer ko bakisama tous les jours. Tous les jours, merci Nabino. Et l'autre, il y a un merci, Zalité. Bon, continuez. On a un côté, la famille, mon côté, Yébisa et Kota, Potoko Mebele. Et comme ça, la biso, plaisir. Émission Nabino, Famille 7, au Bouvan d'Agabouza, Ozela et Bandi. Nangonga, ou déjà, vous poussana, poussana. Partagez connexion, la Baninga, ou Yazana connexion, te partagez les. Tchela et Mega, Atalapo, émission Nabino et Bandi. Avec comme invité permanent, l'excellence Charlie Prince. Bonjour. Bonjour Maréchal, bonjour à toi, bonjour également à tous nos abonnés fidèles et aussi aux mélomanes de la bonne musique, à tous nos spectateurs et téléspectateurs, ceux qui ont choisi ces canaux pour s'informer. Nous vous disons merci, merci pour votre confiance et puis vos soutiens, genre commentaires, suggestions qui nous permettent d'améliorer la qualité de travail et c'est tellement important pour nous, voilà pourquoi on vous remercie encore une fois. Et nous disons également merci à nos partenaires qui nous soutiennent financièrement, s'il faut le dire. Merci beaucoup à eux. Ils sont là pour nous soutenir financièrement, moralement et ils sont matériellement, pour beaucoup, matériellement aussi. Donc nous commençons par M. Toussaint. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment M. Toussaint. M. Toussaint qui est le patron de l'agence Mkatia Service, Mkatia Commercial. Pour vos frettes maritimes comme aériens, pensez à cette agence, l'agence sûre, fiable, pour nous, on a besoin comme en toute sécurité, et puis la rapidité, nous surtout, pensez à l'agence OYO, transfert des fonds Mkatia Commercial, et puis vente et location des véhicules de l'IX Mkatia, pour vos assistances en matière de visa Mkatia, et également pour les billets d'avion. Mkatia. Donc cette agence nous permet
d'avoir tout ce dont on a besoin à un bon prix et puis à un temps record. Merci beaucoup. Non, monsieur Toussaint, le patron de M4, le citoyen du monde, l'homme qui a fait 18 pays à l'espace de 3 jours. Donc, ce n'est pas facile. Alors, un grand merci également à monsieur Jean-Flavien Kaniki, l'intelligence, la bourgeoisie, la noblesse et puis la culture. Parce qu'il est cultivé, il est très cultivé, mais il est humble. Il a tout pour lui, mais c'est un monsieur très humble. Si vous le croisez, voilà, au Talio Mozobanga, mais il suffit de parler avec lui pour comprendre qu'il est vraiment humble. Merci beaucoup à lui. Merci à Madame MM, la classe et la beauté, les sourires permanents à ces 1000 ans. Merci de nous transmettre ces sourires. Merci également à Monsieur Brian Panzou, le PDG de BP Conseil HEC. Merci pour tout. Merci à Madame Noëlla Yanga Lonengo, maman sociale Tabitha, pour ceux qui ont besoin de documents, il y a cadastre, pour ma pango na bango, ma inwa sa matali, ma mikanda ya ma pango, to lingyo mesuré par celle d'en haut. Si vous voulez mesurer l'étendue que vous avez, vous voulez morceler, vous voulez vendre ou acheter, vous voulez construire, vous voulez avoir les documents tels que certificat, contrat de location, en tout cas tous ces documents liés au cadastre, pensez à Mme Noëlla Yanga. Elle va vous aider à les avoir et en étant record. Et surtout les documents CIR, en tout cas certifiés par le ministère des Affaires foncières. Merci à M. Bruno Lubika, bon moi propre depuis Chicago, en train de nous suivre. Merci également à l'honorable Alain Boyika, l'autorité morale. M. Gédiel Kakolo, le cerveau penseur. Nike Kuba, Mofuniko Ayolo, 2028 t'appartient. Merci à notre ami Maréchal Souveillé, sa restaurant Yolo Ezo, il est comme ça à Dallas. Merci également à Amigo Londe, un ami et un frère qui est au Canada. Merci beaucoup à toi. Et nous disons également merci à cette généreuse Madame Annie Moussoulouku, la plus respectée, Madame Annie Moussoulouku, la dame au grand cœur, la crème des crèmes, merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Nous n'oublions pas Madame Sarah Malonda, France et Lima, Paris et Tosa. Merci à Sandra Malonda, Lumière de Paris. Sans oublier Christelle Blanchot, Coca-Cola. Maître Jemima Lingibato, Ali Danote, salut également. Et salut à tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Je sais qu'ils vont le faire au moment opportun. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, nous vous saluons. Nous attendons que vous puissiez vous abonner pour que vous entrez dans la famille Cactus et que vous devenez cactois, soit cactoise. Mais avant de clore, je veux dire merci. Si vous voulez qu'on vous conseille en matière d'image, vous devez voir des conseillers en image. Et vous savez, c'est très important pour quelqu'un qui est connu, soit une personnalité, d'avoir des conseillers en image et des conseillers vestimentaires. Et c'est très important. Aujourd'hui, vous allez remarquer beaucoup de changements. Commençant par moi-même, Charlie Prince, vous allez remarquer, en tout cas, je ne vais pas dire, si vous me connaissez depuis un certain temps, vous allez remarquer qu'il y a quand même des choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, qui tombent en même temps. C'est grâce à cette femme, à cette grande dame qui me conseille sur mon image. Donc, c'est très important que vous puissiez avoir une bonne image, savoir comment se tenir, savoir comment se présenter, c'est très important. Et tout cela ne peut se faire que grâce aux conseillers en matière d'image. Donc, et puis, des stylistes qui peuvent vous conseiller sur le plan vestimentaire. Il y a des tenues. Les tenues correspondent aux événements. Donc, au Kola Tate, et l'Ogomogoboui, la place n'a rien monté. Na genre na yo, na musala na yo, na nyo sosalaka. Comment tu peux te présenter devant les gens? Comment tu peux te tenir? C'est très important. Vous devez avoir ces gens-là. Alors, ceux-là qui veulent être conseillés en cette matière, je crois que nous allons vous permettre de voir cette petite affiche de Tata Mag qui est là pour nous conseiller en cette matière. Tata Mag, je te remercie et merci pour tout ce que tu fais. Donc, vous faites comme moi, contactez cette grande dame partout où vous êtes. Elle peut bien s'occuper de vous.
Voilà, merci beaucoup à Tata Mag et à vous, bonne condition télévisuelle à travers cette émission. Vous avez oublié Eric Ose Obama. Eric et Ose Obama, voilà. Voilà, merci beaucoup Charlie Prince, l'excellence. Galaké Kopesa Mbote et Paya, le numéro 2 de la République démocratique du Congo. L'intellectuel intelligent. L'intelligence a un nom. Docteur, professeur, président honorable Vital Kamiri, le pacificateur éternel. Napesio Mbote, Mobali Mama Amida Chature. Napesio Mbote Kuna. Et sans oublier Christian Kitenge, Kitenge Christian Wazulandanga depuis Brésil. Naminiti Oyo, Blanchard et Bonze. Bonze, Blanchard Amassimo. Vinangaya 30/30. Tosalaga. Charlie Prince, Tobandi, quelques rendez-vous, et Zali, Lobby Batmazoï, rendez-vous, parce que ça a une mission vraiment spéciale. Faites ces eaux continuer, tout ça continue à fêter la bisou droit chemin. Est-ce qu'il y a tout cause, on a quelques rendez-vous, mon côté, pour Batouba, comment on coma, comment on réclame, mais vous pouvez se rendez-vous, t'es pour. Ouais, ouais, on attend, on est déjà les 11, on attend les 15, dans 4 jours. Ferregola va affronter Genève Arena. C'est un concert que tout le monde attend. Et on aimerait avoir Ferregolari sur son concert parce que il a beaucoup donné pour avoir ces dates-là. Et c'est très important pour cet artiste de pouvoir faire Genève Arena après Double Adidas Arena. C'est très important en tout cas pour lui de réussir son concert en Suisse, précisément à Genève. Ça serait important. J'aimerais vraiment voir cet artiste réussir ce concert-là. Mais il ne peut le faire que grâce à ses fans, que les fans de Ferré soient conscients. Il ne vous reste que 4 jours. Veuillez en tout cas acheter le billet, veuillez motiver l'artiste. Ferré aura le courage si vous lui donnez ce courage-là. Vous voulez lui donner en tout cas ce courage. Et je suis convaincu que ça va bien se passer. Les Gaulois, ils savent combien ils sont importants pour Ferré. Donc, ce qui va baisser ma boko, ça veut dire qu'il va livrer ou encore va lâcher artiste. Et vous allez se mobiliser. C'est un concert en même temps de tous les défis. Parce que vous devez savoir qu'après vous, il y a des gens qui vont faire les concerts. Il y a des dates qui sont données. Et comme ma concurrence, j'aimerais vraiment voir Ferré sur ces concerts-là. Et ça, là, est bien. Vous avez la confiance à continuer dans l'élan au hasard. Au lieu et Simbaté. Après, vous savez, quand on commence à critiquer, et comme on a bien été, vous avez ça, artiste na Simba. Donc, ça veut dire, au lieu de na Simba, il faut qu'il avance. Je souhaite vraiment le voir avancer et ça, là, bien. Donc, les Gaulois, c'est à vous de jouer. Ferregola a mis la date, Ferregola a tout préparé, il a tout prévu pour que Binobo Sepela, en retour, vous devez à votre tour rendre l'épée à Sancerre. C'est très important. Arrêtez de vous distraire dans des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. La réalité, ils allaient concert, ils allaient trophée, ils allaient disque d'or, ils allaient macambo, ils jouent à la musique. Les à côté, je ne pense pas qu'ils aient vraiment utile en première position pour l'artiste. Ce qui est bien pour l'artiste, ils allaient, il se bat, il a repris confiance en lui. Et en tout cas, il fait un effort pour que Ape Sabino. Déjà, il est dit, ça, là, on prend la Gaulois, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous faites en retour? Sortez de polémiques inutiles. Sortez de distractions. Ils ont une importance. On vous mène en bateau pour rien. Pour rien. Vous êtes les fans de Ferré. D'abord, vous devez vous concentrer sur Ferré. Donc, focus Ferré Gola. C'est un conseil. Si vous voulez le prendre, c'est bien. Si vous ne voulez pas, de toute façon, c'est un conseil. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Concernant Ferré, c'est pour les 15. Les 15. Après les 15, on va rester toujours à Genève pour suivre, pour voir le concert de Patrick Beckham qui va jouer le 29. Le 29 juillet à Genève. Et puis après le 29, on va rentrer en France. Le 29 juin. Le 29 juin. On est, on est au mois de juin. On parle du mois de juin. 15 juin, 29 juin. Donc plus que 4 jours pour Ferré. Et Patrick Beckham, je ne sais pas. En tout cas, peut-être 10 ou 11 jours pour Patrick Beckham. Donc soyons là pour le moment en Suisse. Restons en Suisse. Dormons là-bas pour attendre Ferré Gola. C'est aussi d'ici le 29, à partir du 30, 1er ou 2, Tokiti, la France, pour nous recevoir le concert à Fali. Les 6, Fali, il est à LDLC Arena. Nous sommes à Lyon. Ça, c'est les 6. Et les 13, il va jouer à Arkea Arena. Là, nous sommes à Bordeaux, les 13. Après, pendant que Fali sera le 27, d'abord les 13, là, Hans Luzolo va aussi jouer. Dans le théâtre du gymnase Maribel. Là, nous sommes en France,
précisément à Paris. Après, le 27, Fally sera en Italie, précisément à Milan. Le 27 pour un concert. Pendant que Fally sera à Milan, frère Mike Kalambay, lui, à son tour, il sera ici au Stade des Martyrs. Donc le 27 juillet, là nous sommes au mois de juillet déjà, Fally à Milan, frère Mike Kalambay, ici au Stade des Martyrs. D'ailleurs, nous convions tous les amoureux de la bonne musique. Là, il ne s'agit pas que des chrétiens, il s'agit de tout le monde, parce qu'il s'agit de la musique, d'aller voir frère Mike, ceux qui sont ici à Kin, d'aller voir les frères Mike au Stade des Martyrs. Nous allons faire comme on a fait au pasteur Moïse donc ça sera comme ça. La musique rassemble, musique et Kabola Batouté, la musique rassemble et a dessus le merci. Donc Torozalawana pour nous recevoir notre frère Mike Kalambay, le pasteur Mike Kalambay. Après Torotikala Awa. Après les 27, on reste ici. Nous on reste ici pour attendre Fally et son équipe Bazong à Kinshasa pour les 48 heures du stade des Martyrs. Ça sera les 10 et les 11 août 2024. 48 heures, c'est là où nous allons tout donner. C'est là où nous allons vraiment sortir le peu d'énergie qui nous reste. Le peu de temps que nous avons sur Terre, en tout cas, je pense qu'on va donner, on va consacrer une bonne partie pour l'événement. Surtout qu'il y a 10 jours dans mon kill. Si peut-être Dieu dit que Charlie, par exemple, 48 heures ou encore 50 heures que tu vas vivre dans Mokili. En tout cas, on a repris ça 48 heures pour le stade des Martyrs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous les yeux braqués sur les 48 heures de Fally Ipupa. Parce que, déjà, en termes des événements musicaux qui se sont déroulés ici, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu un individu qui organise des jours pleins de concerts. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, en tout cas. C'est pour la première fois que tout le monde a osé Kolobablo Wandemona. Vous savez pourquoi moi je vais soutenir ces concerts? C'est pour dire tout simplement que dans la vie, nous devons risquer. Nous devons prendre des risques. Risque n'est pas la réussite. Risque ndé mi makana gloire. Vous savez, quand vous risquez pour quelque chose et que vous les réussissez, vous évitez n'engé ça là. Regardez même dans des films, tout le monde a acteur a gagné à Kamba monté. Ça lui doit passer par les combats, il doit passer par beaucoup de choses, des fois l'emprisonnement, des fois torture, des fois tout ça. Mais après, il sortira vainqueur. C'est à partir de là qu'on peut juger quelqu'un vainqueur ou encore héros, parce que il a combattu, mais les bons combats. C'est une prise de risque. Alors cet artiste-là, toute sa carrière est constituée que des risques. Au Accor Arena, à l'époque, on ne voyait pas un jeune jouer à Accor Arena. Et puis, dans la période où il y a turbulence, il a joué. C'était un pari risqué. Malheureusement, pour ceux-là qui l'ont fait, qui ont combattu ces concerts-là, heureusement pour lui, pari risqué, mais il a gagné. Malheureusement pour les détracteurs, ils ont perdu. Après, Fally vient encore avec tous les risques qu'il y a. Stade des Martyrs, c'était un risque. Il en a réussi. Après, Aki, non, You Arena, c'était inimaginable. Il a fait. Et ça va risquer. Oh, artiste a mis Pesara. Et ça va défi mon roboué. Oh, tant que tu as une vie normale. Comment tu as recommandé voir ça, Mamba? À quoi réfléchir? Alors, la personne comme ça, moi, je pense que nous partageons la même idéologie avec lui. Je ne peux que adhérer parce que normalement, il y a des gens qui sont en train. Parce qu'on ne peut pas se voiler la face. C'est lui qui est sous les projecteurs aujourd'hui. Tous les projecteurs, tous les yeux sont braqués sur lui, que ce soit en musique, sur le plan social, économique et tout. Il fallait avoir un centre d'intérêt. Alors, sa vision, la monnaie qui correspond à la vision, pourquoi ne pas adhérer? C'est comme ça que j'ai adhéré à sa vision. Alors, la première grande chose où on a moni, pendant que je suis à ses côtés, pendant qu'on a l'église, la vision, ils allaient doubler Stade des Martyrs. Donc, 48 heures. 48 heures. Plus que Jack Bauer. Plus que Jack Bauer. Et on a lobby, je donnerai tout pour cet événement. Je sais que je ne vaux peut-être pas grand-chose. Ça, je le sais. Je ne vaux peut-être pas grand-chose, mais seulement le peu que je sais, le peu que je connais, n'a pas préféré, n'a pas été un événement, même si ça serait insignifiant.
mais au moins on a mes conscience d'ailleurs que au moins on a yebi la condition au wana la participer à une événement la participer qui même ceux qui écoutent la remarquable été devant les organisateurs ou devant lui-même l'artiste mais moi je sais que namoro n'a mis pas d'embelli n'a participé donc je donnerai tout pour la réussite de cet événement donc inchallah total en Moussa. Donc on sera là pour les deux jours, les 48 heures de concert de Fally Ipupa, plus que Jack Bauer, avec idéologie toujours de main noire. N'oubliez pas, et c'est le haut de la qui ça, que tout ça partout. Et que nous voulons vraiment de cet artiste-là. Et que nous sommes conscients de ce qu'il fait et reconnaissants parce que a appelé sa Congo honneur. Lorsqu'il fait ça, et ça a pour été. Et pour naïté, ça pour na congolais. Mm-hmm. Partout où tu es, tu dis je suis congolais, je suis congolais. Et après, on va te dire ah tu es du pays des Fally Ipupa. Tu vois c'est plaisir là, cet honneur là. Aujourd'hui, on se retrouve avec les Ivoiriens, les Gabonais, les Togolais autour de l'artiste des Fally Ipupa. Les gens que tu n'as jamais pensé connaître dans ta vie, mais oui, lui, moi, grâce à Fally Ipupa, c'est un plaisir. Il nous a facilité, il a rétréci le monde. Vous comprenez, pour Nabisso. C'est-à-dire, juste pour Fally, n'a commis visible chez les Gabonais. Juste pour Fally, n'a commis visible chez les Ivoiriens, les Camerounais et autres. Les Togolais. Vous voyez, t'as commis, je suis Gabonais, je salue mon ami Gabonais Franck, qui m'écrit souvent. Maman Madeyo, vous qui êtes une Gabonaise également, on la salue. Et beaucoup de Guinéens, beaucoup de Camerounais, moi, ils m'écrivent personnellement. Et je dis, ah, ok. Et grâce à qui? Grâce à Fally. Dans la vraie vie, tout à la sincère. Si jamais, tout à qui qu'on met à ma soula musique qui était, et qui n'a qu'à peu Gabon, tu n'as pas de Gabon. Personne. Mais c'est grâce à Fally qu'aujourd'hui, on a fait. Ça dit, nous avons. Ah, comme le rôle à pont. Ok. Tout le monde a été pour tout atteindre. Tu vois un peu. Donc, voilà pourquoi moi j'ai dit, Ngaï, je vous promets, je vous dis sincèrement que je vais vraiment consacrer mon temps. Je vais me disponibiliser, je vais mettre à sa faveur, l'énergie. À la faveur de cet événement-là, le peu que je connais, un peu de connaissances que je... N'a pas dit que vous allez insignifiant, mais je le ferai pour ces concerts-là. Après, voilà, après on va passer à autre chose. Des jours, 48 heures, après, surtout si on va rentrer en Europe, ça sera pour, je sais pas, les 31, pour Fabregas, les 31 août 2024, Fabregas va affronter Casino de Paris. D'ailleurs, c'est pour dire qu'on ne fait pas que pour Fally. On ne fait pas que pour Fally. Ce qu'on fait ou encore on continue à faire pour Fabregas, c'est tellement remarquable. Les émissions que nous faisons aujourd'hui, vous remarquerez, il y a une cache permanente pour l'événement de Fabregas. C'est déjà un coup de pouce, c'est déjà un apport important. Peut-être que les gens ne savent pas l'importance de ce qu'on fait là. Mais bon, nous, on vous dit, nous, on est journalistes, on sait voir l'importance, si jamais on était payé pour ça, et qu'on a un bon mali, c'est quitté. Si on était payé pour cet événement, et le côté sali, on a cash, on a pendant autant de jours de Jésus les 4, tire au long mois les 31, s'il fallait qu'on nous paye, ça serait beaucoup d'argent. On se comprend. Donc ça serait beaucoup d'argent. Voilà. Mais non, mais c'est inimaginable. Il y a mon nez, il y a un coup de bande passante, et Jésus les 4, c'est de l'argent, tu sais. Mais nous, on a laissé ça. Et puis c'est visible, on a mis la photo de l'artiste, on a rappelé la date et la salle, les jours de son événement. C'est gravissime, c'est importantissime en même temps. Donc du coup, si c'était de l'argent, ils allaient bêler. Mais on le fait parce qu'on aime la culture, parce qu'on veut soutenir les artistes, mais seulement ceux qui seront d'accord avec nous, qu'on puisse marcher ensemble. Si tu n'es pas d'accord et que tu oses comprendre tes... Pourquoi on va se forcer? Pourquoi on va se prendre la tête? Moi, je ne vois pas l'importance. Donc, on marche avec ceux qui sont d'accord avec nous. Et les gens à qui, des fois, nous partageons la même idéologie par rapport à la façon de voir les choses. Et puis voilà, merci. Ok, merci Charlie Prince et merci Mingi. Merci na Mi José Warrior Ayambo. Azola Ndabiso, na Pesu Yombo te Mi José. Bon, tango angwe koki siko, ou toujours un papier nabik, beaucoup sana. Yanga Eza déjà. Pourquoi na Senga amené besoin papier nabik? Je pense que Makambo invité Nanga Lobaka, Excellence Lobaka, c'est important. Parce qu'on a au Kangi, Moussoko Bosana, il y a un Senga, moi, Papi Nabik, na coin, on a un Tarao, c'est important, on a un Solo. Pour te recevoir les lois, il y a un Awa, Makambo importé, Kobima, Bokanga Rayango.
ma warrior tout est kabozali pour vendre déjà beaucoup à Macam. Charlie Prince, maintenant on a réaction tout en a quelques commentaires. Il y a Batou Balandi Bisso na émission à lobby, il y a anniversaire. Bah féliciter Yonano, le concept c'est à Boulouane, j'ai dit Kitoko. Mais Nalingi, autant en a moi quelques commentaires. Trop bandana Congo et Congo Téléma. Ah ouais, voilà pourquoi nous disons il y a des gens qui pour nous sont comme une famille aujourd'hui. Cactus réunit beaucoup de gens. Mais ce qui est bien, c'est l'intérêt commun que nous avons. C'est-à-dire l'avancement de la culture. Et puis ces gens-là pensent nous soutenir. Ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais leurs remarques, les suggestions, leurs encouragements, ça nous permet de pouvoir bien faire les choses et de pouvoir encore orienter bien nos tirs. Et c'est très important. Si on peut prendre le premier commentaire des Congo Téléma, le frère dit, je me suis arrêté dans mon auto. Ouais, je me suis arrêté dans mon auto pour applaudir. Vraiment, Charlie, tu m'as fait la chair des poules. Merci à vous. Tu fais les choses comme en Occident. Fali, c'est notre fierté. Nous avions besoin aussi des gens comme vous. Fali doit penser vraiment à votre belle chaîne. Voilà, ça c'est Congo Téléma. Tozu niche 81-31. Il y a encore un autre message de Congo Téléma qui dit « Je suis au Canada, je te jure que mes enfants connaissent déjà votre émission. Bravo pour le grand travail à l'égard de notre patrimoine aigle. Nous avons aimé... Non. Nous vous... Voilà. C'est quoi? Je ne suis pas mélinette, désolé. Nous vous aimons tant. Ah, voilà. Nous vous aimons tant. Fali, c'est la classe, l'intelligence et la vision. C'est toujours Congo Téléma. Oh. Et après, tu disais... Il y a beaucoup de commentaires, mais nous avons le temps encore. Tu dis Niche. Niche 81-31. Voilà, Niche dit, je suis en train de penser à mon fils décédé l'année dernière. J'étais triste. Nous sommes désolés, Niche. Nous sommes vraiment désolés. Que le Seigneur te console. Courage. On peut tout dire, mais la consolation, c'est Dieu. Sincèrement, désolé pour la disparition de notre fils. Nous sommes vraiment touchés pour ces messages. Mais bon, on va continuer. Après, il dit, comme par hasard, je suis tombé... Ah, c'est une dame. C'est une dame. Je suis tombé sur votre vidéo. J'ai souri. Je vous remercie. Soyez richement bénis. Amen, maman. Soyez consolés. Vous soyez consolés. Soyez également bénis. C'est très important. Soyez bénis, soyez consolés. Que le Seigneur vous donne la force de surmonter cette douloureuse épreuve. On sait. Moi, je l'ai toujours dit que la perte d'un être cher, je ne le souhaiterais à personne. Parce que j'en connais la douleur. Je sais. Je suis passé par là. Moi, j'ai perdu quelques êtres chers. Et je sais comment ça fait. Que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous donne la force de surmonter cette douloureuse épreuve. Si vous avez trouvé à travers cette émission un peu de sourire, nous on ne peut que rendre grâce à Dieu. On ne savait pas que ça allait vous sourire. On peut passer Zanga Luzolo. Zanga Luzolo. Et pas comment. Oui, elle est Zanga Luzolo par contre. Il écrit, je ne sais pas si c'est un monsieur ou et une femme. Il écrit souvent. Okay. C'est parmi des fidèles spectateurs ou encore téléspectateurs. Il y a Cactus, nos abonnés fidèles. Lui, il a dit Lelo, Ndelelo, Nasepeli Makasi. Lelo, Ndelelo. Lelo, Ndelelo, Nasepeli Makasi. Et des messages comme ça, pour comprendre, moi, il faut aller dans la dimension où il y a peut-être une source qui est à côté. Voilà. Donc, Zanga Luzolo, nous te remercions. Nous te remercions infiniment.
Nous te remercions. Voilà. Donc, il y a Fiston Difouka. Fiston Difouka dit, merci, monsieur Charlie, pour l'honneur de nous donner une émission exceptionnelle dédiée à l'album Droit Chemin. C'est une première fois dans le monde qu'on célèbre pour un album. Je serai avec vous pour toujours. Amen. Que dure d'autre? Fiston Diafouka. Merci, merci à trop. Non, laisse-moi commenter un peu pour Fiston Diafouka. C'est tellement fort lorsqu'il dit « Je serai avec vous pour toujours ». Vous savez que la vie est faite de beaucoup de réalités. Un moment, ça peut arriver qu'on soit en dessous de moyenne. Ça peut arriver qu'on propose des contenus qui ne sont pas peut-être bien acceptés par le public. Ça peut arriver que Tokitamouké, ça arrive. Ça arrive. Aujourd'hui, peut-être, on est là avec beaucoup de contenus. Bah, contenus, ça c'est pas ça. Abonné Nabisso. Un jour, on pourra peut-être manquer des contenus. Bon, c'est vrai que là où on est aujourd'hui, le fait qu'on est en train de voir beaucoup plus ce qu'il fallait faire, bien que. Voilà, ils sont beaucoup, ils sont nombreux les artistes, mais celui qui est plus actif, c'est Fally. C'est tellement compliqué qu'on manque de contenu. Voilà, mais bon, ça peut arriver qu'on ne soit plus en forme, qu'on ne soit pas peut-être un jour en forme, mais lui dit, malgré ça, il sera toujours avec nous. Donc, Fiston Diafouka, merci pour ces messages tellement touchants. Il a bien dit, Monsieur Charlie, merci Monsieur Charlie pour l'honneur de nous donner une émission exceptionnelle dédiée à l'album Droit Chemin. C'est une première fois dans le monde qu'on célèbre pour un album. Je serai avec vous pour toujours. Merci. Merci. Nicole, on va prendre Niche encore. Ouais, okay. Nicole. Par contre, Nicole est venue en appui. Il y a message, il y a Madame Niche en disant « Oh, que Dieu te console pour la perte de votre fils et merci à Dieu de vous avoir donné une occasion de sourire. Okay. » Et c'est à travers l'émission Formule 7 qu'il a trouvé un peu de sourire. Madame Nicole, vous aussi, on vous remercie de pouvoir penser à soutenir Madame Niche. Merci beaucoup. Ici, il y a également d'autres messages. Il y a Paouni qui dit « J'aime beaucoup quand tu mentionnes Madame Nana Ketchup, Charlie. Les gens ne réalisent pas l'apport colossal de cette dame dans la vie et la carrière de Fally. Merci pour elle. » Bon. Voilà, nous, on ne fait que notre travail. Oh. Et si jamais le soleil qui écoute ici, bon, on ne peut que donner peut-être un avis ou encore on peut donner des orientations par rapport à la perspective de d'autres personnes. Et voilà, on a fait notre travail. Merci beaucoup à vous, Paouni. Je ne sais pas si vous êtes messieurs ou dames. Voilà, merci de toute façon. Et puis, il y a Jean Mougoul, je crois. Jean Mougoul qui dit « Il fallait que Kissindjora soit là. » Oui. Il fallait que Kissindjora soit là. Oui. D'ailleurs, on avait pensé à ça. Oui. Donc, au côté de Naïden Abisso, seulement, elle n'était pas dispo. Oui. On l'a appelé, c'était... Le 9. Oui. On lui a présenté l'idée qu'elle-même ne savait même pas. Oui. Bah, Perda qui est un peu de vue. On l'a présenté l'idée en disant, voilà, tiens, demain, c'est le 10 juin, c'est le jour où l'album Droit Chemin était sorti. C'est le jour où l'album Droit Chemin a vu le jour. On voulait que tu sois là pour célébrer avec nous. Voilà, parce que Ozaki, on a depuis le début, parmi Batoba, c'est la promotion. Ozani, parmi trop. Voilà, et on voulait qu'elle soit là, qu'on célèbre ensemble cette journée avec elle. Malheureusement, elle avait d'autres programmes. On l'avait pris à pied levé, elle devait voyager pour aller en Lubumbashi. Je pense qu'au moment où nous parlons, elle doit se retrouver de l'autre côté de Lubumbashi. Et Zaki, trop juste et juste, donc pas moyen de retenir hier et guerre. Donc peut-être que le roi Tobi, qui est moi, Mobimba, on ne peut pas célébrer Droit Chemin à Mokolomo. Donc, Zaki, album, ça fait 18 ans déjà. Et c'est cet album qui a permis à l'artiste d'arriver là où il est arrivé.
ils ont mérité célébration un jour mon côté Tobin Abino où il a montré que il peut soutenir à ce que tout célébrer en moi mon nana. Tout ça a besoin de champagne. Mm. Bon, là, on le fait, on n'a pas de champagne. Bon, nous, on fait que le travail. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas de champagne, c'est la matière. Mm. C'est ce dont on vous donne comme plat. Prenez-en comme ça. Mais bon, le jour, on aura l'occasion, parce que ça continue jusqu'au 30 oui. juin. Mm. Suite aux 8 à moi, on va célébrer. Et on va insérer dans cette émission Formule 7, mm. pour le reste du jour, et à mois de juin, on va commencer à vous parler un peu. Attendez un moment, pendant 10 minutes. Et je ne sais pas si aujourd'hui, peut-être ça sera trop juste, mais peut-être demain, on reviendra pour tirer ne serait-ce qu'un titre et commencer à vous expliquer les contenus, c'est quoi ce que l'artiste voulait dire dans cette chanson. Et je pense que ça pourra vous aider à mieux comprendre encore les paroles ou encore la philosophie de l'artiste. Parce que Droit Chemin, c'était au fait une présentation claire de ce que Fally allait faire. Donc, il est toujours derrière ce qu'il avait dit dans le Droit Chemin, et qui lui permet de réaliser ses exploits d'aujourd'hui. Il avait tout dit, il avait déjà présenté sa carrière à travers cet album Droit Chemin. Ce beau qui a envie de comprendre qu'il avait déjà tout détaillé, il avait tout explicité en rapport avec sa carrière. Donc, regardez cet album, c'est comme ça que je vais être. Et ça reste un album monumental, un album historique pour la carrière de Fally Ipupa. Raison pour laquelle on reviendra chaque fois pour vous proposer des petites... des petites, si vous voulez, condenser, question de comprendre l'idée générale de l'artiste concernant son album. Il y a un album qui est déjà code à des verrouages. C'est le même album. Donc à l'époque, Fally, dans le quartier latin, a sali pharmacien. Donc, il faut ça la promotion, il y a Droit Chemin, côté au père, il y a clip, il y a pharmacien. Donc, pharmacien, ça là, un clip, il y a vite fait, qu'on appelle ça, il y a comme Nango, côté au père, Droit Chemin, et Bendamaki, Penza, Nango. On finit avec les commentaires. Ouais, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Il y a Charlie Prince, comment vous êtes là? Émission, Koleka Koutou Match, Real, la Barça. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup, Penda. Que la gloire soit rendue à Dieu, si jamais Bazo Sepela, et puis voilà. Charlie Prince, l'excellence, idée à Rosala, anniversaire, il y a 18 ans, il y a Droit Chemin. En tout cas, Zala qui tena moutou ya Batou. Juste après diffusion, il y a Tosala qui lobby. Je vois les gens, comment poster. Na ekota là, na 20h, juste, confrère Nabiso Popol Pasoula, qui a eu bien. Parmi les commentaires, j'ai retenu qu'il y a Popol pour parce que ça là, il n'y a pas eu posté pour souhaiter un bon anniversaire dans Droit Chemin. Mais je l'ai toujours dit dans mes émissions, je ne cesserai de le dire, que même lorsqu'on critiquait de manière négative, l'artiste, ce n'est pas qu'il n'y avait pas des choses où on pouvait dire des choses des côtés positifs. Non, il y en avait, mais moi, je voulais pas seulement en parler, c'est tout. Je savais, je voyais, mais je ne voulais pas en parler, tout simplement. Voilà. Et j'aurais été avec lui depuis. Je ferais aussi certaines choses que les gens n'ont pas fait. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Moi, je ne vois pas les choses de la même manière que tout le monde. Bah on va se focaliser peut-être à répondre à l'accusation, à la polémique, à l'attaque. Moi, j'irai peut-être de l'autre côté pour voir. C'est vrai que les gens le font déjà. Mais, vision d'un moroté. Tu vois, par exemple, sensible. Genre, le jour de mon anniversaire, je vois un vieil ami ou encore quelqu'un, même toi qui est un ami, proche de moi, tu es un ami. À celle où texte, à joyeux anniversaire, tu sais comment ça fait, ça peut te faire. Ah, il a pensé à moi de là où il est. Tu vois un peu, que ma blogue te met ça dans vos oies, chaque jour. Tu me dis bonjour, et comment on a encore la culte, mon robot, tout ça là, moi chaque fois, son gars, bonjour, même si ce n'est pas sincère. Est-ce que tu veux vraiment qu'il passe un bonjour ou encore une bonne journée? Parce que même nos ennemis nous disent bonjour. Oui, oui. Mais tu penses vraiment qu'il te souhaite un bonjour? Ou bien comment on a encore le slogan, mon robot, tout c'est un souhait. Bonjour est un souhait. Ils ont été. C'est un souhait. Bonne journée. Voilà, bonjour, c'est un souhait. Ça veut dire que
je te souhaite un bon jour. Donc, que tout ce que tu vas faire, c'est un souhait en même temps. C'est une salutation, oui, mais c'est aussi un souhait. Donc, je te veux un bon jour. En réalité, ils ont beau tété, ils ont des souhaits. Mais est-ce que les gens qui nous souhaitent bonjour ou qui nous souhaitent bonne journée ou bonne soirée sont-ils vraiment vrais? Balinga rapina que toi dans la journée, madame, toi à la bien. Tu penses? C'est pas tout le monde qui te veut une bonne journée, non? Mais le coup les gens ont le coup la slogan, comment on a un bongo et comment le coup la nette moi signe moi il y a politesse. Bon, on prend ça comme ça. Donc ça veut dire que même nos amis qui étaient avec Fally avant, qui sont avec Fally, ils ont fait un grand travail, ils continuent à le faire déjà. Bah, ça m'a cassé. Mais c'est que toi, la vision de mon côté, moi, je suis dans les histoires où ça, là, tout le monde est mon bon. Et c'est comme ça que moi, je suis. Je ne le fais pas que pour Fally, je le fais pour beaucoup d'artistes. Ça ne sert à rien ici de rappeler. Je pensais, Fally, depuis qu'il a sorti son premier album, ça fait 18 ans. Et depuis ce jour-là, il a commencé à régner. Il est rentré dans les games. Il règne sur la scène musicale congolaise. Et à Lungwena Congo, à Kenamu Libanda, aujourd'hui, il a imposé son nom, il a imposé son style, il a imposé beaucoup de choses, que ce soit en Afrique et dans le monde. Et tout est parti d'où? L'album Droit Chemin qui est sorti le 10 juin 2006. Il fallait quand même penser. C'est en même temps une manière de célébrer les 18 ans de carrière de Fally Ipupa en solo, qui est une carrière fructueuse. Tu vois un peu? Voilà. Et moi, je me dis, moi, je ne me vois pas dans des petites choses. J'aime le wow. J'aime le wow. Et ça qui est bien. La ligne a peu prêté. Et là, on a mon qui est dans ça, elle est dans Kokalanga, elle est dans ça, elle a raté. Donc, peut-être que tu as dit que tu as dit que tu as dit que c'est pas une mauvaise chose. Okay. Merci beaucoup. Les gens ont un mot là ici. Ils ont bien mis idée. Bon, moi je prends pas ça comme ça. Non, la musique est belle. Il y a l'Italie, la Moni. Attaque si Njora n'est la Moni a posté. Njora est tombé gagné les neuf. Voilà. Tozongi c'est le souci. Tozongi c'est le souci. Le tango. Donc félicitations au côté. Tozongi kaka. On a un message. Tout ce qu'on a mis en aigle. Tout ce qu'on a mis en aigle. Quand tu es en émission sur Formule 7, tu as dit que 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 tu as dit. Mais c'est clair, c'était quoi la communication? Dans le bon sens, on a français. Ça veut dire, peut-être que nous avons dit qu'on va te accompagner. Ça veut dire quoi? Ferré, ce jour-là, c'était en 2010, quand il a joué Zénith. Il n'était pas tête d'affiche, tout simplement. Il n'était pas tête d'affiche comme il a été à Adidas Arena, comme il le sera à Genève Arena. C'était son concert à lui. Mais ces jours-là, il y avait beaucoup d'artistes. C'était au fait une soirée. Il y a pays arabe, Maroc, Tunisie, Algérie, tout ça. Ensemble, il y a arabe, Bandibou. Il y a une soirée à Bango. Et puis après, voilà, il y avait beaucoup d'artistes qui avaient presté, tout ça et tout. Après, vers la fin de la soirée, c'est Ferré qui va prester. Il n'était pas tête d'affiche. Il a joué, oui, mais il y a une tête d'affiche. Il y a le festival. On appelle beaucoup d'artistes.
Mais le festival, tu as parrain à Zalaka. Tu as parrain à un festival comme tête d'affiche à Zalaka. Mais dans ces cas, les Aki, tu as un peu tête d'affiche à Zalaka. Et les autres ont eu l'occasion de prester ce jour-là. Il y a un secours au monde qui a signé un livre d'or, il y a Zenith qui a j'ai joué Bouina. Non. Il ne peut pas signer, mais au moins, comme on a dit qu'il y a Betaki, mais qu'on signe que non, on a dit Adidas Arena. Par exemple, si on a dit Kofi, Kofi a joué pour Ferré. Il a joué à Adidas Arena. Mais là, tête d'affiche, il était invité de Ferré. C'est la différence. Si on continue à Adidas, au moins, on a pu avoir Kofi. Je ne pense pas trop. Si on a dit en termes de droits, on a dit l'album, titulaire et album Azali. Mais il y a tout de même des gens qui auront leurs droits. Droit de participation, droit voisin, droit en sous il y a composition, droit en sous il y a Eloko Mokoboye, tu vois, et ça va droit. Mais titulaire, il y a Eloko Azalaka. Dans ces cas-là, Ferré n'était pas titulaire, il n'était pas tête d'affiche. La Zénith, il y a jour. Il y a qui jour, il y a qui pop sur le monde, il y a qui Zénith. Mais dans le dernier, il y a qui jour, ce n'était pas lui, la tête d'affiche. En tout cas, vous comprenez vraiment. Il y a Mandela ou les sous-soupines. Mais, non, comprendre. C'est bon, je pense qu'ils ont compris. Bah, comprendre. Faire la question tête d'affiche. Ce n'est pas méchant, en fait. Quoi interpréter comme ce n'est pas méchant. On ne le fait pas. On n'a pas dit ça pour dénigrer l'artiste. C'est encore. Bah, c'est pour oui, il y a un lobby. On n'est pas méchant vis-à-vis de l'artiste. On explique les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'il n'était pas tête d'affiche ce jour-là. Concert et contrat, non, j'ai joué à concert où Yondo Zali tête d'affiche. Dans ce monde, Abraham Babeta qui paye You Arena, non? Oui. Petit Falabeta You Arena. Mais est-ce qu'il va compter qu'il habite à Otia Koumou dans le livre d'or et tout ça et tout, et il a joué? Non. Non. Moi, il y a Fali, les organisations propres, il y a Fali. Mais la personne qui est au pour appeler ça qui plaque, il faut appeler ça qui plaque. Pourquoi ils ont remis la plaque dans Fali? Parce que c'était lui le titulaire, c'était lui la tête d'affiche. Il y a concert naï bien que Yakobi n'a pas tourné la ligne moi ça c'est une sous-traitance sur mon robot il traite avec ces gens soit foot bon soit foot bon ma cam naï mais Zenith et You Are naï binde fallu c'est comme ça ce qui s'est passé c'est vrai que dans le but est que faire habiter qui pendant concert à mon tournant habiter concert yé moko sur le podium avec ses artistes mais seulement à la qui tête d'affiche t il y a journée voilà. Voilà ok. Bah tu peux bas continuer au Kumelanga, bah bien tout cause à prophète, au vendredi au Lobak et en gros bah tout n'a mais Jimmy tout n'a pas eu bakamun dengeni, au Lobak qui bah au pimé là bas tout, sous bas pimé mange un visa là, il y a Suisse bah qui est pété, donc on sait les a samedi, bah des quoi on a pas bah confirmé au Kumelanga mais Charlie peine à côté là, bah qui est pété. Non mais il suffit de regarder, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas, nature est quoi enseigner mon tour, quand tu fais les choses, quand tu ne fais pas bien les choses, conséquences à la car. Mais toi, tu penses que ceux qui ont dit que par exemple, en fait, je ne suis pas prophète, mais je sais juste voir et comprendre des choses. Tout comme les autres peuvent aussi voir, ou encore ils ont vu, mais ils n'ont pas eu ce courage-là. Bon, Salim Mabé, ton courage à dénoncer les Kamoto, courage à la vérité. Peut-être que vous ne pouvez pas le monde. Maintenant, nous autres, tu n'as pas si tu n'as pas si mépris, tu n'as pas si ma fille, tu n'as pas si tu n'as pas si vérité, même si tu vas m'injurer, tu vas m'insulter, au moins moi je t'ai dit la vérité, qui peut t'aider un jour. Le problème c'est quoi avec nos amis? Nos amis ils font des choses des fois, derrière ça, conséquences. Ce sont des artistes, ils sont connus. Peut-être on prend l'exemple de Papa Wemba. Dans le monde entier, il y a Papa Wemba. Est-ce que de son vivant, Papa Wemba pouvait savoir qu'il y avait dans le monde? Non. Parce que il y a des gens qui peut-être, excusez-moi, à quoi ça la monte, il y a un Papa Wemba. Mais il y a des gens qui ont sauté. Dans ce monde, il y a des gens qui ont niveau reconnu sur le plan mondial. Il y a Papa Wemba dans la Ligue des Champions. Générique à la Ligue des Champions, il y a Papa Wemba. Les gens ont vu ça. Il y a Japon, la Chine, il y a des gens qui ont Papa Wemba. Peut-être qu'il y a un peu qui est là ou là. Et puis, je peux te dire que papa est grand, il est là dans le monde entier. Tu es là, il est là, tant que mon réaction, il y a un peu de part et d'autre, tu te dis, waouh, il y a un peu. Mais c'est trop tard. C'est comme qu'il dit, nul n'est prophète chez soi. C'est pareil aujourd'hui avec Fali. On ne sait pas comprendre, on ne sait pas mesurer la grandeur de cet artiste-là parce que tu es là. Tout le monde a dit, ma Kolongoulou, tout le monde a dit, des fois, tu es là, tu es là. Ça, c'est la conception de la congolais. Ce qu'on va en amour, tout, nous avons la même valeur. Tu vois, je donne un exemple clair.
Jean-Marc Kaboun, qui était proche du président de la République, il était même le président de l'UDPS. Mais. Président de l'intérieur. Avant, on a mon condi. Le cas sur le laka. Le cas avec ta dame. Le cas avec ta maçon, avec ta maboko boué. Aniamon, on a le cas avec la commune. Azo PC sous valeur, t'es le président de la République. Les premiers citoyens de la République. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Il est le premier citoyen de la République. Alors, toi, Jean-Marc Kaboun, dans le cas là. Boutique ensemble, vous en avez parti mon corps, vous avez combattu tout ça, vous allez marcher ensemble. Vous comprenez que vous avez élevé dans le niveau mon corps, il faut respecter comme tel. Il a voulu jouer. Et c'est comme ça qu'on dit il joue avec les feux de l'eau au place à ça. Est-ce qu'il peut vraiment de lui-même sortir de là et dire que non, c'est bon, j'ai déjà pirgé d'abîmé? Non, il faut qu'il ouais, il faut qu'il remonte le bagage, non, bon, libéré. Donc, moi, je suis sûr qu'il m'a combien important à un moment où on comprend que ce qui n'a tout ça, de là où il est, il regrette déjà. C'est ça l'erreur que beaucoup de Congolais font. Voilà mon tosa mon aîné. Au lieu de m'aïe, au stepé la pose à pimasta naïe, tosa moninga, tosa frère naïe, ils ont dit comment on dirait. Au ben d'un niveau naïe, le quoi aux niveaux à ses occasions de n'aimer aux anaïe, il n'y a pas un niveau à ses. Non. Azanaïe parce que tu es son frère ou bien tu es son ami. Mais son niveau, il y a un autre niveau où il y a un an. Vous en n'aimez mon côté. Tu n'as pas le même niveau que lui. Lui, par contre, il se rabaisse dans le niveau de la vie, à l'aise, parce que tu es son frère ou encore tu es son ami. Je reviens à la question pour dire comment je sais tout ça. Non, je ne sais pas ça par magie, non. Ils ont été à Makambo en face et puis ils ont comprendre. Mes frères Nabisso, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Déjà, le fait de mal constituer les dossiers. Makambo Tolobaka, ça peut nous coûter. Je le répète encore. Tant que la première liste, il y a des mondes, il y a visa, il y a Schengen. Sinon, je n'allais pas parler de ça à Yom Totuninga. Les gens qui ont été en train de se faire, il y a autant de gens qui ont visa. Après, c'est liste à 5 mois. Ce qui était déjà une erreur, Ferre en a fait aussi. Ferre a fait la même chose. Avec sa liste, il y a des gens qui ont été en train de se faire. À l'objet, on a dit que ces gens-là, ils ne sont pas importants. Je l'ai dit. Il y a un mot, besoin qui visait à Schengen. Et pression à Bissot. Je dis, toi et moi, quand on a commencé à faire des émissions, non, Batika dit, mais noir, t'es ferré, moko, ferré, moko. Il a fallu. Tout ça, là, long, les locaux, on a dit, ma bon, t'es ma guinoise, qui n'est pas ma maman, on a affaire, c'est dans Schengen, on a dit, on décanté la situation. À Zongi, dans Schengen, à Senga, visa pour Nabango, si tu nous avais dit qu'il n'était pas important. Bah, comme important, prouve-nous que comme important. Il n'y avait pas moyen de prouver l'importance d'abord. On a un moment où on a aussi oh, d'ailleurs moi, okay, non, ils ne sont pas importants. On doit faire attention à dire les faits et gestes, ils ont compté. Et les gens vont respecter cela. Ils vont tenir compte de tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Le fait de dire qu'ils n'étaient pas importants. Il y a déjà qu'on hypothéquait Bango. Après, ils s'invitaient. Bah, sinon, on ne peut pas donner. Parce que nous aussi, on a compris qu'ils ne sont pas importants pour bah, dire dans le monde. C'est comme ça que Bango qui est en Espagne, Zui, territorial. Les gens se sont manqués de nous ici pour dire eh, non, côté France, côté Ranango, côté Ranango. On ne vient pas pour plaisanter, on ne vient pas s'amuser. Oh, tout ça là, oh, et à mon sala, oh, tout ça là. Ça veut dire que si dans la connaissance, ma cité, je vais faire des recherches avant d'aller à la télé. Lorsque je viens avec mes analyses ou encore mes arguments, ça veut dire que soyez en sûr que c'est déjà vérifié avant de venir vous les donner. Mes infos sont toujours vérifiées avant tout. Mais j'ai dit aussi que c'est vérifiable par vous si vous voulez bien, parce que vous ne pouvez pas qu'on démarre à bon mot. C'est vérifiable et vérifié. Vous pouvez vérifier, mais sachez-le que nous, on vérifie avant de venir vous donner ces informations-là. À la limite, il y en a même. La source, pour ne pas dire que tu as investigation, comme on a un tout temps, on a une investigation. Nous, on n'est pas dans l'investigation, on est dans les recherches. On est dans les recherches avant. Tu préfères aller en recherche. Nous sommes des chercheurs. Alors, nous sommes dans le territoire. La logique nous dit de se limiter dans le territoire où vous avez le visa. Ça veut dire que vous avez un visa territorial, il y a Espagne. Vous devriez normalement vous limiter dans l'Espagne. Bino, vous brûlez par étape. Vous avez désobéi la loi à immigration. Vous bouquez une bégo à immigration. Vous continuez frauduleusement, n'importe quoi, mon sous-sous.
autre que l'Espagne ou Apsakibino visa. Vous voulez pas appeler Kimia, vous bandez votre tapage, vous fingez, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu. Les gens ont vu, les ambassadeurs, les consuls, ils ont vu que vous n'êtes pas sérieux. Schengen a pu s'abîmer nos visas. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Voilà, bah côté frauduleusement. Si c'est beau, ils ont besoin de l'Espagne, ils sont payés. Bah, on peut s'abamoter. Ils ont enfreint les règles. Bah, enfreint les règles. Bah, on peut s'abamoter. À moins que miracle est mort et salam. Bah, on va vous mettre la ralentie là. Au moins, bah, ça, il y a 5 jours, bah, on va voir la Suisse. Il n'y a pas de problème. 3, 4 jours. Mais jusque-là, dans l'Espagne, on a coupé s'abamoter. Parce que, bah, Bouka est mibéko. Schengen, à mon acquis. Après ça va monter. Suisse, peut-être, avec des arguments ou avec des preuves, ou bien soit sous caution, on a évité. Ce qui va l'accès, qui va être important, peut-être mesure de grâce et comme ça, peut-être sous caution, je ne sais pas. Mais il y a un problème. Suisse, il y a un orchestre et affaires, ils ont un. Ça aussi, des problèmes. Il y a un problème. Donc, les acteurs majeurs pour l'applicabilité ou encore le conseil Métama, il y avait plus de porte-parole. Je ne vois aucun musicien, à part peut-être des animateurs, il ne faut pas l'andanassima. Je prie beaucoup pour avoir peut-être un visa parce que je suis dans la liste de 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 la liste. Ces artistes-là, oui, ils méritent d'aller. Parce que c'est la bonne porte. Kounzardo, oui, c'est la. Mon Congo, oui, nanzé mon aïwana dans sa maman Marie Makiese. Kumbara na boka maman Marie Makiese pour la danse na bangwa ya kintu eniwana. Vous comprenez pas, bah zelango. Mais les autres, non, zela ba. Mon tout hein. Nous va tirer la pique au tout na bangwa zate. C'est ça les problèmes. Donc ces ambassades là savent ce qui se passe. Ils ont leurs agents, ils ont leurs batuba mon arama kambunyo surtout. Donc voilà. Merci Charlie Prince. En parlant de ça, batou. Parce que signer pétition contre Aigle, quand on a les mains noires, il y a un visa. Il y a un comploté dans Mme Catherine pour battre un visa. Donc, la pétition, moi, je suis allé pour Aigle. Je suis allé pour Aigle. Je suis allé. Bon, avec tout le respect pour ces gens-là, j'en ai vu. Ouais. Mais moi, la page de ActuDunet, les gens que je respecte. Pourquoi je les respecte? C'est parce que Nzambe Alobaka, Monokwa Mokolo, Koulumba Solo, Maloba Malamo, ils ont pouvoir à Tanaba Mikolo. Beaucoup de la banana, beaucoup de la balé qui n'a pas de maïl et colécaillo. Mais yo Mokolo, comme ça, il y a un moko qui m'écoute. Et résoudre ma grand-mère sous Bouddha Guinamona. Mais l'intelligence seule ne peut pas résoudre les problèmes. Yamona, il faut toujours faire écho dans ma mikolo. Nzambaloba, yamabi, mon abalaxa mon sapina, paka, souka, zwaranikama. Aloba, te o paka ya riche, te paka ya maele. Non, aloba, ka paka. Donc, il a fait allusion à âge. Donc, ma mikolo, va t'ajouter à moi crédit, mon kobo, et va pe sarabango. Parce que ka kaosa mon kolo. Va t'ajouter à moi crédit, tu as une forme de crédit, mon kobo, déjà par rapport à ton âge. Et moi, je le respecte. Par rapport, il y a âge. Dans le respect, ma casse, c'est pas dans le bango. Je vois Alain Kous, je vois l'autre qui. Excusez, Jean-Paul. Dans le respect, ma casse, c'est dans le bango. Par rapport, d'abord, il y a âge. Que beaucoup de journalistes ou dans la poto, juste par rapport à âge. En tout cas, je ne parle pas de l'intelligence. Je sais que ils n'en ont pas assez, non. Mais je faisais confiance na âge, que na âge na bango certaines choses. Attention qui m'aille les appendés belé belété,
mais par rapport à âge, avec un peu d'expérience, na bo moto ya vie, par rapport à âge, par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu na Mokili, ils peuvent bien faire les choses. Mais depuis un certain temps, ils se sont égarés, bango moko. Ils se sont égarés, bango moko. Je suis désolé, c'est dommage. C'est dommage. Mokolo asara mamlo wa mola mokete. Mokolo ne se laisse pas emporter na ba sentiment to na ba ba émotion. Mokolo n'est pas quelqu'un qui doit être ballotté par n'importe quel vent. C'est vrai aussi que nous sommes sur les marchés où on est en train de vendre. Il faut chercher à plaire à tout prix na bato ozana bango côté moi pour osombayo. Oui, ça aussi ça compte, mais après il faut penser na bon moto. Il faut penser à ça. Comme on gagne tout à Mokilo, à quoi sert de gagner tout de ce monde et perdre plus tard ta vie? Je monte. Donc, tant que tu es caca, tu es caca. Même avec des produits qui ne sont pas bons, cherchant à attirer l'attention des autres, en faisant mal à ton sousou. Pensons à nous aussi. Pensons à la carrière, pensons à Nabo Moto. Parce qu'après ça, il y a encore une autre vie. Tu vois, tout ça, ça fait partie du jeu. Mais bon. Pour répondre à ta question, pétition, déjà, ils en ont fait moti. Mais ça fait mal de voir que les gens se comportent de cette manière-là. Ça fait mal de voir les gens se comporter de cette manière. Et je pouvais tout imaginer, sauf ça de mes frères, comme Alain Kous et puis Jean-Paul. Je pouvais tout imaginer. Faiza Abanana Mikine Basamarambo. Misudoro Samarambonate. J'en avais parlé. C'est moi qui ai parlé des pétitions avant. Pour Ferré. Donc, on va lancer une pétition contre Ferré pour la manque à respect. Voilà. C'était fondé. Même Batmanga moi qui était à la raison. Parce que pourquoi on a la raison? Pétition contre Ferré pour la manque un jour. Tu sais que nos enfants à nous regardent ces artistes-là. Regardent les émissions de musique aujourd'hui. Et certaines influences, il y a tout va faire, il va falir. Et ça a un impact marquasi, na mitu ya ba na biso. Et si on se laisse emporter na ba sentiment total, bon tout ce qui va passer, ba star, boy na boy, et qu'on s'est la biso faux. Petit on a qui fondé, genre que non, on ne peut pas voir ba musicien, ba ne kaba fingaka. Tout ce qui va porter parole, à ta ba fan, tu comprends que bon, pas moyen de l'air contrôler, bien qu'il y a toujours moyen. Ok. Bien qu'il y a toujours moyen de gérer bango et de contrôler bango, mais tu vois ça à moi mesure de grâce qui est bon ah ma fan ma contrôler bango tenez bango aujourd'hui moi excuse, mais voir un musicien passer à la télé pour insulter d'autres artistes, non, ça on peut pas accepter, parce que wana osan a contact na direct yo leader, tu peux le sanctionner pour banga. Mais ceux qui bazo les bazo finga bazo zonga bazo inquiété te bazo bango à l'aise, ça veut dire que yong to permettre moi ça m'amane ngwana, parce que na temps normal ce qu'on met ça na ko finga te moi j'ai mes enfants nga ko bando finga nga a bana nga bati mate bando fingo te bon fingo te baba nga papa pourquoi tu fais ça papa arrête ça jou moi simba tika moi zalaka awa mon pendant tout qui n'a problème n'a pas allé. Ma fille est venue me dire mais papa pourquoi tu discutes papa, il faut arrêter, calme-toi papa. Alors qu'on est au final. Mais hier, on a dit arrête ça, papa, arrête ça. Il faut arrêter. Vous êtes monde. Parce que, à sa éducation, à éduquer, ce qui n'a fini, même si on a fini, à cause de ce qui n'a 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 fini. C'est là où, moi, je m'étais appuyé. Je m'étais appuyé à la pétition, à fier, et bien que, je m'étais appuyé à mon thème, à mon équipe, à mon thème. Alors qu'il y avait vraiment de preuves tangibles autour de la pétition, parce que comment ça se fait? Musicien Oyo va n'a trop, musicien Oyo va n'a pas n'a ningi. Et puis moi, il y a des choses qui n'a pas. Donc il y avait de quoi tout ça la pétition. Mais je n'ai pas fait ça. Il y a 70 000 émissions. Je n'ai pas fait ça. Bumoto n'a ça. C'est un artiste qui se cherche, qui se bat pour sa carrière. Après, chacun cherche midi à sa porte. Ouais. Il est fait pour sa famille, il est fait pour lui, bananae, il est fait pour ses amis, ses frères, tout ça bananae. Pourquoi moi je vais chercher à nuire quelqu'un qui se cherche, même Zamba Osepe Anangati. Bien que ma béza, déjà, Zamba Osepe Anangati, Dieu ne nous demande pas la vengeance. Il ne nous permet pas la vengeance. Alors, vengeance, tout ce qui est là,
même si muta salinga mabe, est-ce qu'il faut na venger? Je ne pense pas. Pour raison pour laquelle na tika mambe a faire na bi. Non, après je ne vois pas l'importance. Pour na la Charlie Prince et singa na critiquer férité. Pour na la Charlie Prince et singa na lo baramabe a férité. En tout cas, du coup, j'ai pris conscience, j'ai dit non, il peut évoluer dans son coin. Moi, je fais mes choses dans mon coin. Et puis voilà, Dieu pour tous, chacun pour soi. Bien que ma baie Eza, même à mon endroit, Ezali. Il y a Koloba Pé Ezali. Ezali. Basalinga Pé ma baie Pé Ezali. Donc, ça veut dire que j'avais le plein droit à relancer pétition contre l'artiste. Avec des arguments solides. Avec un soubassement visible au monde. Mais je n'ai pas fait ça. C'est aussi le cœur de l'homme. Qui m'a colo nanga, il s'agit na kat nanga. Parce que là, c'est maintenant l'homme intérieur. Il y a un gaz à mon colo déjà. C'est mon intérieur qui est en train de me dire non, mais attends, pourquoi tu vas le faire? Qu'est-ce que tu vas gagner? Ça te fera quoi de voir faire et souffrir? Tu ne sais pas comment j'ai eu pitié, n'a aucune monté ma passe quand je lis Cernabisso, Niche ou Nèche. Niche. Niche. Qui dit je perdis mon fils l'année dernière. Non, qui maman passe dans mon thème. Je ne connais pas Niche. Mais qui beau papa, qui beau moto et sali. Oh non. La perte d'un être cher. Je sais, je me suis directement rappelé na Oyongana Viva. Ça m'a fait mal. Comment on a monté à souffrir, ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas bien. Tu vas sauter la bateau du roi, tu vas sauter la bateau malheur. Non, c'est inhumain. Tout le monde est dans le frère. Il y a des preuves, et il y a des gens qui ont ma possession pour lancer la pétition. Surtout, pourquoi tu veux lancer la pétition contre le frère? Je te dirai, t'as là. Na faire voir, même yo, tu as intérêt parce que ce qui est regarde ce qui. Ce qui peut arriver, conséquence nango vis-à-vis de nos enfants et Zaboué. Moutalbana, oui, tu as raison, on les fait. Si je voulais les faire, si j'avais vraiment voulu les faire, j'allais les faire. Et puis, rien qui n'est marrant. Mais je ne peux pas. Tout simplement parce que je ne peux pas accepter de voir quelqu'un souffrir. Et au fin de la vie, qui est notre souffrir, bon, pour yo moutalbana, non, on a dans un l'esté. On a dans un l'esté. Yangomoni. Na suka ngolo ko la poste Pilato tikalanga. Alors, ba frère na biso oyo, ba zo lancer pétition contre Fali parce que Fali a sa main noire na maison Schengen, ba on a madame Catherine, frère. Même si on n'a pas d'intelligence, mais au moins la sagesse peut jouer un rôle important de comprendre que eza bongoté. Ça ne demande pas que l'intelligence, ça demande aussi de la sagesse pour comprendre que makambo to ça la oyo eza na sens té. Tous, on a vu, tous, en tout cas, tout le monde a vu comment Fali a aidé les gens, Bazoua, Baviza. Fali qui aide Oise, quoi. Oh, Tomoni, ils ont ramouté, Tokanicité, Tomoni que Fali s'est porté garant, il y a Baviza, il y a Oise, quoi. Moutamouté, ma bien au salon. Ça. Non, frère, tous à la sincère. Mouta mouta m'a bien au salam. Au salam. Mouta a l'ignan nuit. D'ailleurs, écoute, pour naïe, c'est une bonne occasion à souffrir. Mais non, bien. Mais pourquoi Mouta a sa main noire? Il va encore venir pour na, qu'on a sa main blanche. À aider Mouta. Tous, on a vu comment Fali a sali bandeko plaisir. Vous avez les méchants qui est chez nous avec Sampaï. Vous avez vu comment il est heureux. Alors, bi mitoua et koué. Natou n'a dit, mais t'as besoin d'un niveau à salto et à poto. Habite, poto! Ça dit même, il y a un artiste qui est artiste, il faut mettre une grande salle. Habite, t'as besoin d'un niveau pour mettre une salle, il y a un niveau à salle, il y a un niveau pour mettre. Tu vois comment quelqu'un il est content. Tout le monde qui, dernièrement, aujourd'hui, Fali a commis un ciment. A ramé à l'ibosso, il y a un ébélé. Il y a un musicien dans la famille Nabango. Il y a un warrior dans la famille Nabango. Bah, mais c'est au assalis de la famille Nabango, sans pas l'a dit. Même moi, c'est nanga désormais comme warrior. Naba, tout va aller nanga, beaucoup moins nous warrior. D'ailleurs, c'est pas commis déjà. Tu comprends un peu comment Fali est en train de gagner les carreaux. Ce qu'on pétition au Ibo Sala, sur base de quoi? Sur base de rumeurs. On ne peut pas se fier naba rumeurs, mes frères. Rumeurs, ils allent comme mon sousou. Il faut avoir des preuves, il faut avoir des éléments suffisants
pour nous inculper mon tour. Tout le monde, les éléments que nous avons en notre possession, et Zali Bolam Oyondeko Asali. Dites-nous plutôt que vous avez lancé la pétition contre Fanny pour Asali Sibatou. Là, moi aussi, je vais signer. Non, mais je te jure, si les Zali pour Asali Sibatou, je vais signer. Oui, en tout cas. Ce qui pétition les Zali pour Asali Sibatou, je vais demander à tous les Warriors de signer parce que c'est vrai, Fanny a aidé Batou. Tout le monde. Donc, Wana, ils ont raison. Mais par rapport à ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on ne sait pas, les rumeurs, est-ce qu'on peut accuser quelqu'un sur base de rumeurs ou on n'a pas de preuves? Mabenga Kango, procès d'intention. Vous collez une intention à quelqu'un sur quelque chose que vous n'avez pas de preuves. Vous organisez ça, qu'il faut aller yer. C'est ce qu'on appelle le procès d'intention. Mais justement, n'allez-vous pas le babou monter? Bazali n'a position à soutenir Ferré. Parce que même par leur dire, au Monaco, ils prennent beaucoup plus la part de Ferré que de Fali. Fali n'a jamais fait quelque chose de bien et pas Nabamo. Tout ce que Fali fait, Zaka Amabe. Yuare Namabe. Asalabu Mabe. Tout ce Zaka Amabe. Yango Tolobi Boye. Bobo Ngola, Bobo, changer texte. Pétition pour les bienfaits de Fali. Moi aussi, je signerai. Tous les Warriors vont signer. Même la famille de Fali va signer. Ben oui, parce que bah, il y a des gens qui ont signé. Bendoson a signé. A signé. Batoutou a signé. Djoka, Bissotou a signé. Parce que, Otomoni, Otomoni, frère, Otomoni, avec preuve à l'appui, ils ont dit Bolam Oyo a sali. Vous avez vu qu'il y a témoigné Bolam Naye. Les musiciens, ils passent, ils témoignent. Donc ça veut dire, sous d'autres cieux, on peut dire que ses amis sont jaloux de ce que Fali fait. Donc, en réalité, les véritables mains noires, Ezabango, parce que l'unité n'est pas un bonheur, n'a pas un écoute. Le soum a fait ça pour Asali Sibatou. Tant qu'à Asali Sibatou, au moins, véritable mains noires, Yewana. Moi, je pense que je vais faire un conseil pour nous faire un bon amour. Je vais faire un conseil pour nous faire un bon amour. Je vais faire un conseil pour nous faire un bon amour. C'est impossible. Et puis là où ils vont échouer, c'est quoi? C'est où? Ils pensent avoir l'appui de rebelles, sorry, des Gaulois. Ils pensent avoir l'appui des Gaulois. Sous l'émotion, le Gaulois a fait rajouter un visa, tout fait en difficulté. Il y a un Baroque qui va signer pétition pour qu'il ne fasse pas dans la même situation que Ferré. Non, c'est faux, vous vous trompez. Vous vous rendez ridicule sans le savoir. Vous humiliez Ferré sans le savoir. Vous pourriez peut-être lancer cette pétition sous une autre forme. Mais mon bon visa, c'est vraiment ridicule. Vous avez prouvé et vous montrez que Ferré, il est faible et Ferré a Kokokana Fali à Tamukolo Mokote. C'est une insulte à l'endroit de Ferré. Moi, j'aurais été Ferré na Rubenga na bagnon frère Botika Mambosa. Na komo na ngati. Banango ba raté visa. C'est à qui Ferré? Na wazé quoi? Wazé quoi imoku tout siko, il est dans la joie azo sepe la po azui. Donc, ce bossa, on peut faire né à Zut, il a des difficultés de trouver des visas. Mais qu'il fasse bien son dossier, tout simplement. Mais il faut que ça soit bien. Ou ça, il faut que ça soit bien. Ambassade, il faut que ça soit bien. Il faut que ça soit bien. Il faut que ça soit bien. Il faut que visa. Mais on donne à celui qui est en règle. Oui, ou à mériter. Qu'on mérite, tu es en règle. Tu fais ton dossier, papa. Il y a des gens, qui ont un salaire à Mouké, qui ont un visa. Mais ma première ministre, salaire, il y a ébélé. C'est compliqué. Il faut qu'on y ait un faut qu'on ait un dossier moko clair. Personne qui n'est pas en bêta. Nana produire un goût. Makamboa, mi kemi kezana kati ébélé. Demandez, posez la question à Ferré. Est-ce qu'il est vraiment en règle? Est-ce que ses concerts, qui est son producteur? Est-ce que son producteur là, il est reconnu, il est connu? Il a des moyens suffisants pour héberger tout ce monde là. Autant la maman tout faisait la montue, tout faisait la montue à producteur. Mais déjà au délai, bah, tout, bah, comme ceux qui ont 20, 30, 40, il a les moyens, il a les possibilités. Quels sont les fonds qu'il a montrés? Extrait bancaire, naïe, ou athée, na peau, apé, sa matin, dans ce tout, va vivre dans poto. Et ça combien? Est-ce que vous avez remarqué, vous avez regardé tout ça? Avant de faire des choses, il faut réfléchir. Sinon, vous serez ridicule. Vous êtes des journalistes. Les artistes passeront. Mais notre métier restera. Même à 80 ans, on a co-présenté le journal, on a co-présenté l'émission. Mais je ne pense pas qu'à 80 ans, Fali sera sur un podium en train de danser, en train de chanter. Je ne pense pas. Donc, nous avons beaucoup de temps dans Moussa là.
que c'est notre génération. Mais peut-être que par rapport à métier, bon, on quitte avant, nous, on va continuer. Penser à notre lendemain. Penser à notre avenir. Et au-delà de tout, par-dessus tout, Balobaka, à chaque action, il y a toujours une réaction. Est-ce que vous avez pensé à la réaction des fans de Fallé aussi contre Ferré? Parce que derrière chaque action se passe une intention. C'est quoi l'intention que ses amis ont vis-à-vis de Fallé? En faisant cela, c'est quoi leur intention? Bon, est-ce que ça l'a pour balingi changement, tout balingi de Fallé? Balingi changement, tout balingi de Fallé. Leur problème, ce n'est pas ça, c'est Fallé. Leur problème, c'est Fallé. Vous comprenez? Leur problème, ce n'est pas, oh, vas-y, visatez, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Leur problème, c'est Fallé. Balingi n'a pas de Fallé. Donc, tout de Fallé est à Kamabe. Pour preuve, ils ont d'abord, sur le mot, tout tient en Batoyoka. Quand ils disent, t'as là, tout à l'heure, t'as 23, tout ça, tout ça, la faire, et bah, maman, tout ça, la Fallé, mon thème, pas si. Qu'est-ce que Fallé? Jonathan, Gédéon, tiens, son nom, tout ça, non, tout le monde. Rapidement. Natunia, Natunia, maman, naïve sa vérité, au moins naïve sa vérité pour comprendre bien la bandeli. Wallahi, nakoma ba nanga, balali na chambre na bango. Au moins conseil à Didas Arena, na numéro 1, 20, na le 21, 20 na le 21. Tous les journalistes, on a tous à la nombre, sur l'équipe, sur Bélé, tous à la 22, 23. Longola mamilela, longa popo mukelenge, longa wilika imbi. Bama wita libanda, ou bawiti Congo, ou bawiti Londres, baye boui. Me biso Saint Denis mubimba wana. Motomoto abiso na poche na ye. Asombo nga fira kota na poche. To lia elo kote, to kangapi mounoko, to fana nye. I konsere simba, po nanko, to pouva Fallé nanko. Ah, konsere simba. Non, pina ba yara soutenir, fere ne popo pouve Fallé. Merci Gédéon. To kiango. Tu vois. Ça dit, tu sangas là, attends, 23 journalistes pour ça, la Fallé monter ma passe. Ma journaliste à Saint-Denis. Pour ça, la Fallé monter ma passe. Vous pensez vraiment qu'en faisant ça, en soutenant Ferré, pour ça, la Fallé monter ma passe? Et changer ni. Et changer ni dans ta carrière à Fallé. Quand il a joué du Arena. D'ailleurs, Koutouna, quand on a eu ça, va te passer à l'erreur. Fallé, Koutouna, le barata bien. Pour, et ma paix que non, c'est aussi grâce à nous, des concerts dans les autres Tondaka. Mais il le fait sans vous. Bon, ceux qui 23 pour lobby la qualité, mais il réussit sa carrière, il réussit ses concerts, il réussit ses événements. Donc ça veut dire que honte à vous. Vous ne valez rien devant lui. On se comprend. Mais le bâtard n'est pas un syndicat tiakal. Oh, le bâtard, nous sommes tous les affaires. Ce concert est tombé aussi grâce à nous. Oui. Parce que chaque jour, on ne cesse de rappeler. Chaque jour. Pendant que ses propres acolytes, bah, les gars, on finit à Batoukouna, on se rappelle, on se topé, ça va date. On se rappelle, allez acheter les billets pour faire et tout ça et tout. Mais ce concert, on est tourné. C'est aussi grâce à nous. C'est comme on a fait à Martyr. C'est comme on a fait pour le stade des Martyrs. Mais il y a toujours la promotion. Toi, tu as bande permanente et rendez-vous le 24 juin au stade des Martyrs. Fais rigole. C'est aussi grâce à nous. Bien qu'ils n'ont pas reconnu nos efforts, ce n'est pas un problème. Ça veut dire à chaque action, il y a une réaction. Quand vous faites ça, pensez aussi à la réaction de la part des gens que vous taquinez, des gens que vous voulez crucifier. Ils peuvent aussi réagir. Et en ce moment-là, il y a peut-être guerre. Pour bon temps, c'est pour ça que vous attendez plus fort que ça. Les pétitions, la binôme. Vous comprenez. Et après, tout tourne. Comme à chaque action, se cache une intention. C'est quoi votre intention? Les problèmes des visas ou c'est Fallé que vous visez? Ils ne vont pas réussir déjà parce que Bato bon bon conté na bango, ils sont pas souples. Bao kana en ferreté. Et ses fans et ses musiciens. Parce qu'après Martyr, Ferré a fait un communiqué en disant Ndenge to beti boye, na ligne nanso mbo finga batouté. Oya ko finga batou. Eh, vous avez un problème nanga, atanga même batna combo. Atanga batna combo. Que oya ko finga en tout cas dans la problème nanga yi. Eh, un tel. Les intels là aujourd'hui, ils insultent. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour dire que Bayo Karaété, ou carrément, il y a un Rabango. Vous comprenez? Ça veut dire que même les fans de l'artiste, ils évitent comment faire pour soutenir l'artiste. Pour s'abonner, pour ne pas marcher dans la chaîne, pour s'abonner, c'est bon qu'on ait signé pétition en ligne, il y a une signé pétition. Et nous, on a dit qu'on a s'abonner, on a fait ça l'émission encore. Mais pour le retard, il faut qu'on ait un streaming payant ou. Il y a une innovation, ils ont bien. Oui, ils ont bien. Ils ont bien artiste. 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 Ça veut dire que son bureau est vendu à Monique. Bon, ils ont malam.
basalabon baya baya luka la ya kopa la bon on va entendre là pour ceux qui pour mes messages n'ayez qu'un de partout faisait la ouvert ils avaient mis ça moro à la portée de tous mais ceux qui ça peut-être que basala on a ils à la foufou bat basson bah on a streaming ça veut dire que ça dans le camp business et puis à mon équipe na aura artiste à côté kaibélé bah place bat par osomba voilà bonne chance à eux bonne chance en tout cas tokosu qui ça na 48 heures 48 heures national lobby kenga bokende boy tambola bokende partout beaucoup tout à soka la stade des martyrs to vendu en arabe to zela bino na mena bakende partout bakende mais miso 48 heures to zela ka wana beaucoup ta miso wana na loba ki amuli sous na zo bandela na bi sur la ticket na 50 heures na mokili ya ko vivre je vais consacrer 48 pour na réussite événement wana de wana yo moko de wana de wana on va na binza mina na stade on a ko ça là zo moni mona na kimia na pesio merci na nengo takinga moto na ba mikro na vandi nengo batela kingai tout ça bana ngaba otika la batela bango libota na ngai nzambe guider bango amen après je pars en paix c'est aussi ça qui me sera à 48 moi j'aurais fini ce que j'avais souhaité faire donc sur la zone 50 heures na mokili na lobi ngo susu ke 48 na opesa ngo na événement wana 10 11 voilà du 10 au 11 août na opesa yango na événement wana je sais que je ne vaux peut-être pas grand chose je l'insiste parce qu'il y a des gens qui savent mieux faire que nous il y a des gens qui sont forts qui communique tellement bien que bah avant on mingi mais ngai jour na ningata mutu moko wa koya na concert wana non aya pona kimuke otozana mo voyez un peu ce que je veux dire nga na lingi mukolo wana mutu moko aya po na yoka ki Charles Prince azoloba yango na ye na tala ki Charles Prince azoloba yelo mo important ça m'avait touché yango na ye. Ce qu'on a oublié, c'est que comment ça, je vais vous reconnaître si ce n'est pas ça. Ok. Mais noir. C'est là qu'ils vont venir. Sur la table, vous avez 10 problèmes, mais l'essentiel, je veux que le jour là, et les, ces deux jours-là, il est bien. Et que les gens, que petits que nous sommes, on a aussi accompli, ne serait-ce qu'un peu, attends-moi, portion, toi, Pessim Soutouza, Nangouana. On a accompli la tâche. Dans ma petite portion, on a bissot aux huiles à mouquer. C'est-à-dire, je l'ai dit encore avec beaucoup de modestie. Je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, allais-je dire. Beaucoup d'humilité. Je sais que Fali, il est grand. Je sais aussi qu'il va le faire. Il peut le faire. Et il fera même sans nous. Il va le faire. Il va le réussir. Mais l'accompagnement autour de sa paix et ça peut m'habiter. Dès lors que ça ne nuit pas, ça ne dérange pas, je ne pense pas que ça va faire mal aux gens. Donc, M. Petolingi, Toko Tana histoire. Ces jours-là, s'il vous plaît, l'idéologie est allée à main noire. 48 heures. T'as la carte, n'a eu beaucoup de partout. Bisso Torosé, la binoka, on a 48 heures, on a trouvé Naka, on a beaucoup d'abisso, on a beaucoup d'abisso. Tant que vous voyez, Toro Yambabino, Toro Zalawana. Et à la rigueur, Toro Sengabango, moi, espace, moi, tribune, n'abisso, moi, il y a cactus pour recevoir, parler avec ceux-là. Qui auront cru à nous, jour où on a bouillé. Ça direct, on a pas d'accord. Ça direct, on a pas d'impression. Non, on y est pour la nini. Et là, on y est marqué qui y est. Et là, on y est. C'est vrai, on vient pour papou. Oui, tout le monde vient pour Fali. Mais il faut que nous avons une TV, que nous avons une communication pour que nous avons une motivation. Tu auras un peu de temps sur les 10 et qui vont éviter que les 10. Hé, Nathalie, Charlie, pense à nous les 10. Hé, nous les allons. À la VP, à Indouli. Il y a beaucoup de choses. La communication a vraiment une grande importance face aux événements. Il y a un ancien Gabino. Vous avez fait un effort pour trouver main noire. Vous avez fait un petit marambo, pétition, marambo, main noire. Comment on va se taire? Nous devons agir, nous devons faire quelque chose. Mais réussir, on doit réussir à tout prix. Donc voilà un peu le message que j'avais. Que Dieu vous bénisse. Et que bénisse la RDC. Merci beaucoup, Charles Prince. Demain, vous comme la biso dans vos commentaires, on a titre en zen bonino lingi to décortiquer le bina album Droit Chemin. Dès que tu sais, nous tous abouti le 30. Lobby, Charlie, excellence, lobby, moi 10 minutes, moi vous allez pour en zen. Mais tout ça, on a choix en abino. Ma titre en belé, dans commentaire, vous tirez son zen bonino lingi to à décortiquer en lobby, dans vos précisions. C'est important. Vous comme la biso dans commentaire. Allez, on se retrouve demain. Dans l'émission 9007. Oyo bozo lingango, yango yo kaka, toza nango bo eti nati. Allez, ciao, bye.
Ma ma on a écolo sa mon voilà roga roga missile na ningina loba o